Salutations YouTube. Bon, Atto, il m'avait dit faut pas faire deux fois de suite le même perso. Mais on retourne sur The Lost. Excuse-nous, Atto. Ok. Ok. Est-ce que ce que je pense de la situation de Britney Spears, j'ai eu des news dernièrement. Oui, c'est vrai. En effet, en regardant Framing Britney sur Prime Video, j'ai appris beaucoup de choses sur la situation de Britney Spears. Je conseille vraiment de le voir, hein. Prime Video, c'est très sympa. Hein. Service vidéo à la demande. Ouf. En plus, enfin si vous avez Amazon Prime quoi. Et en plus, de surcroît, vous avez un sub gratuit renouvelable chaque mois sur la chaîne Twitch de votre choix. Ça c'est très très impressionnant. Petit small rock là. Ah. Ah. Oui, c'est vrai que j'avais trouvé mon sablier quoi. La vie était tellement douce. Et j'avais surtout arnaqué un Rotten Baby au premier floor avec une TP. Est-ce que c'est pas ça qu'on doit chercher à tout prix avec ce personne mort? Une TP Devil Deal, premier étage. J'ai envie de crever. Et le A+, ah ouais putain. Ah c'était... Ah c'est Anemic Blood pour... Ouais enfin oui, bah Rage Chanson ou Anemic Blood, les deux sont pourris avec lui. Ah ouais, j'avais la mouche pour me protéger. Ah non, j'avais vraiment un beau run, ouais. Oh là là, et le sablier que j'utilise pas. Aïe aïe aïe, que ça pue la merde. Décidément, le sablier, entre le run Jackie et Iso, des regrets éternels, et ça... On a beaucoup à apprendre, hein. Oh, joli coffre. Ça peut être fou ça. C'est pas un objet qu'on veut avoir absolument quoi qu'il arrive. Mais le jeu se fout de ma gueule, c'est quand même super impressionnant. Et voilà, j'ai plus de bombes, le jeu s'est foutu de ma gueule. Cet objet là qui me permet de gagner des charges juste en mettant du DPS. Burning Basement sans DPS, juste le Tears Up quoi. Bon ça va, hein, c'est juste qu'il m'enlève des charges. Oh là là, oh Burning Basement, mais ça devrait être interdit quoi. Oh, ouais, c'est long, hein. Ouais, c'est long. J'y vais là comme ça sans réfléchir. Ça va. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Oh, c'est Larry, c'est imperdable. Ah, mais c'est comme ça qu'elle pop les mouches.
What the fuck? Attends, mais. J'ai oublié, oui. C'était l'ami du caca. Ok, temps de photo, c'est un bon tears up encore. J'ai envie de roll, mais oh là là. Je sais plus comment ça marche, cette merde. Je suis mort. Je suis officiellement mort. Putain, mais j'avais le sablier bleu, idiot, quoi. Nous y voici, nous y voici. Dans la somosphère. Bob's Brun avec The Lost. Ok. Bob's Brun là. Saute. Ouais, saute. Allez, saute. J'ose plus rien reroll, hein. je sais plus ce que c'est la dynamique, mais... Peut-être la dynamique c'est j'ai un reroll au début, je sais pas si c'est full RNG ou si c'est faut pas que je fasse des rerolls pour pouvoir reroll. J'essaie de comprendre là, le bail. Quoique là, tout à l'heure quand j'ai voulu reroll la boîte des familiers, elle a tout de suite dépop. Est-ce qu'il y aurait des rerolls qui coûtent plus? Ou est-ce que tout simplement c'est de la baise? Oh non, Zidane. Oh là là, on va perdre à cause de Zidane. Hein. Spoilers. Si je me fais toucher, c'est game over. Zidane Ed. On touche jamais. Oh, et toi? Ok. Quel jeu de jambes ce Zidane. Petite échelle de corde là. C'est bien pas. Il y avait quoi? J'ai plus de thunes. Ok. Et bah c'est pas fou hein. C'est pas fifou. Attends, pourquoi tout à l'heure c'est quoi? C'est il a des mouches bleues avec les caca quand il y a des boss ou c'était un des objets que j'avais? C'était pas la batterie. Oh, c'est bien ça. J'ai eu un family de revenge. J'ai envie de canner.
Ah, c'était la petite larve. Ah bah trop fort la petite larve. Oui, exact, j'avais le trinket, putain. Trop de trinket dans le jeu, trop d'infos. Eh oui, le caca bouge. Pas si mal, little larve. C'est le démon actuel, non, c'est le D6 éternel. Qui des fois fait D6, des fois fait disparaître l'objet, c'est très plaisant. Ça c'est un peu un objet fait pour The Lost, non? Oh putain, j'ai pas de bombe. Est-ce que à ça c'était genre il fallait que je le remplisse de soul hearts de mes couilles? Et ensuite, ça me filait un objet god item fort. Et vu que les solars me servent à rien, je vais dire pourquoi pas quoi. Il me faut des bombes. Effectivement plus 10 en luck. Ok. Il y a une salle d'arcade. Ah bah non, je peux pas faire de l'argent avec le don du sang, n'est-ce pas? Putain, je vais pas pouvoir l'acheter. Hein. Chouf. Sauf qu'il va me filer un Pigeon Boy. Mais si je les laisse, si je le laisse poop à l'infini, il y a un monde où je me fais mon gold là. Moi, je pensais que ces poops ils donnaient jamais rien, mais là il m'a donné un gold. Hein. Ouais, vous pensez que je vais mourir en essayant d'obtenir un gold des poops de Larry? Ce serait une belle mort. Oh là là, la déprime absolue. Mais non, mais il m'en donnait une. Je l'ai pas pris, putain, il m'en donnait une. C'est vrai qu'il m'en donne une, j'oublie tout le temps qu'il m'en donne une à la prise. Ok, donc toutes les pilules sont dégueulasses, mais c'était déjà un peu le cas. Mais au moins, elle me donne un de dégâts. Elle me donne du gros dégâts up. Mais oh, putain. Ça, je le garde. Pourquoi? Parce que ça donne des cœurs bleus. Ah non mais j'aurai jamais de bombe, non mais c'est la déprime, de toute façon j'ai aucune chance, alors voyons voir s'il y a un miracle, voilà. Ah fait chier, j'oublie qu'il fait popper une pilule quoi, quand il pop, je viens de perdre 0,5 de dégâts, un truc immense quoi. Bon allez hop, on part là-dessus. Donc ça ne va marcher qu'avec les cœurs bleus cependant, hein. Donc c'est pas pour tout de suite. Oui, j'ai attendu de prendre l'hatchkey parce que ça donne un cœur bleu. Je sais pas si ça a marché avec ça. Ah si, ça marche. Putain, mais quel idiot, quoi. Le dégât up gratuit, pas pris, idiot, bête. J'aime bien le worst PHD. Risqué, mais bon. Ensuite, Tears Down, c'était pas la meilleure à prendre, mais la contrepartie était forte. Champi, il peut y avoir des pilules d'ailleurs. Ça se trouve, c'était Bad Trip, oui, c'est vrai. Il y en a plein, hein. Il y en a plein qui, que je peux pas utiliser ou bien qui me donnent pas de. Enfin, Bad Trip donne un cœur noir. Bah, si, Bad Trip. Bad Trip, je fais sauter le Holy Mantle et le cœur noir remplit ma boîte de merde, non? Même Bad Trip me sert.
me semble. Jamais de Batrip. Batrip, c'est la mort. Ah, ils l'ont enlevé. Ce qu'il peut-être faire, hein, pour être honnête. Ah ouais, mais putain, tout à l'heure, avec la mouche folle qui capte les larmes et sablier, comment j'ai pu throw cette game-là, quoi. C'était la game de l'espoir. Toutes les games sont un peu les games du désespoir maintenant. Tellement fragile, il faut tellement que les étoiles s'alignent. Ah, ça c'est fort ça. Je parle trop en fait. Je pense que je parle trop. Ah oui, j'avais le vortex. Oh là là. Oh. C'est fini. Tout est fini. Tout est fané. Oh, les rochers marqués pour ma boîte. Le problème c'est que ouais, enfin. C'est bien mignon cette boîte, mais déjà elle prend pas la batterie, c'est vraiment que les cœurs bleus, mais. Parce que si ça te file le pire objet... Ça me l'avait fait une fois de me filer le pire objet... Le pire objet des Angel Room, là, l'invincibilité à la con. Ensuite, l'invincibilité à la con, souvenez-vous. Et là, vous dites, il va pas le faire, quand même. On est des malades. On est des dégringos. Ok. C'est bon plan ça. Oh oui. Ah le. C'est vrai qu'on a un problème de débit de larmes. Qui se fait un peu sentir là d'un coup, mais bon. Faut pas tout avoir. Hein. Ah si, mais plus tard. Ah mais j'avais oublié que ça faisait du DPS ça, idiot. Ok. Lemon mishap. Pas un si mauvais objet que ça, mais... attendez, j'ai peur de lâcher. J'ai peur de le prendre. Il serait capable de m'enlever mes charges que j'ai dedans. Donc, vu que je suis terrorisé de peur, je vais pas le toucher. Oh là là. La souffrance est absolue. Où sont les cacas? J'ai mon petrified poop, faut mettre des cacas maintenant. C'est beau mais c'est long. Venez là, tiens. Oh, le mapping, c'est fort, mais... Ouais, le true mapping, oh là là, oh l'emmerdement à son paroxysme. Elle est où? Oh putain, mais c'est vrai que la mouche était tellement bien là, j'aurais pu rester là et jamais avoir à bouger. Mais là, la France a peur. Il cherche pas l'objet. L'objet, il cherche seulement quand je récupère des cœurs bleus. Bon, faut rester zen. Trouver des rochers marqués là. Très drôle hein, parce que quand j'avais pas cet objet là des cœurs bleus j'en trouvais 12 000 évidemment. C'est mort. Je vais
je reste frère. C'est quoi l'objet? À la fin, il me donnera un objet de God Room. Ah, il faut qu'on chatte un truc là. On commence à avoir un peu beaucoup de monde. Hein. Je suis en train d'attraper froid. Ok. Ok, 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 c'est long. C'est long. Bon Dieu que c'est long. Et voilà, et voilà. Et vu que je m'impatiente, je fais de la merde. Alors que ce combat, je le tenais. Je vais mourir. Merci à tous. Abonnez-vous. Privilégiez l'abonnement. Curse of the Lost, ah bah le mapping, c'est... ah sympa, nice, nice objet. Bon, j'ai complètement nerfé mon tier rate, mais niveau DPS, enfin niveau dégâts purs, on est là en tout cas. On va retrouver une dingue. Et de l'argent. Oui, du coup, toutes mes larmes sont des dents. Ah, ça, c'est fort, hein, par contre. C'est un gros up, ça. Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Vous n'avez pas d'autres pilules en stock ? Ça serait ma troisième pilule Tears Down, je pense qu'au bout d'un moment faut arrêter. Hein. Non, mais je pourrais prendre un range down, un lockdown. J'accepte. Un shot speed down, c'est ok. Down un peu plus chaud déjà. Je vois pas quel est le problème. J'ai envie de canner. C'est vrai qu'il a perdu une charge. Il a perdu une charge mon objet, mais c'est une honte. J'ai jamais l'avoir mon objet de mort. Là je trouve une secrète mystique. C'est vrai que je bombe un mendiant avant le boss là, ça va se voir. Vas-y j'avance. J'en ai plus rien à foutre. Les gars sont là hein. C'est bon, on va dire que ça pourrait être mieux quand même. 33% c'est 100% non? Tears down. Okay. J'ai craqué, j'ai appuyé. Ah, on peut débloquer The Lost avec ça. Ok, on a envie de le jouer. Okay.
sais pas pourquoi on aurait cette idée là, mais... Ok. Bon. Il est où? Il est là, il est invisible. Okay. 67,5%, c'est 0%, non? C'est ça? Bon là j'ai, je vois au moins un peu ce qui se passe, donc on va quand même essayer de faire avancer le build, je pense que c'est là. Ok. Bah c'est parfait ça, me donne pas Steam Sale, je t'en supplie. Je crois qu'il peut y avoir un truc cool au shop, mais bon c'est vraiment du pognon qu'on aimerait là bien sûr. Obviously. Sérieusement? Merci. On peut en donner plus hein. Ok. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Très bien. Au secours. Heureusement que les DPS sont là. Hein. Oh, je suis une merde. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Je ne bougerai plus jamais d'ici. Très bien. Tu ne charges jamais l'objet. Il lui faut des soul hearts. Parce que le jeu a décidé que maintenant que j'avais ça, il m'en donnera plus jamais. Il est taquin, ce jeu. Ça, c'est Edmund, ça. Il est taquin. Attention, la mort. La mort, c'est maintenant. Lockdown. Allez, 9,32 dégâts. On est là, on est là. Worst PhD qui nous fait plaisir. Attends, c'est... Attendez, vous les voyez là? Regardez, ça c'est du cœur bleu ça. Ça va pas être en rapport avec la luck. Ah, rocher marqué. Ouais, les voilà les cœurs bleus tant recherchés. Ah mais là aussi. Que des cœurs bleus. Ça marche app. L'enfer. Heureusement que je suis surpuissant. J'ai juste à toucher, à esquiver. Attention, les pieds de mort. Et pourquoi mon tir rate est aussi bon? Ah mais putain, mais Dolly, c'est Dolly qui vient de me sauver là. Incroyable. Ok. Tu m'as donné de la range en plus. Thank you, Dolly. Et mine de rien, un 9,39 de dégâts avec mes pilules pourries, hein. Pas mal. Moi, je suis plus de sablier, quoi. Et puis, j'ai plus une bouche qui me protège, quoi. La vie pue, quoi. Vas-y, hein, faut que je farme le pognon, money equal power. Tout ça. Toujours pas trouvé l'item room. Oh là là. Ça va être tellement être un carry item, j'espère que vous êtes prêts. Hein. C'est du jamais vu ce qui va se passer. Hein. Oui, je me cacherai comme un lâche, bien sûr.
On l'aura jamais ce god item, hein, je vous spoil. Oui bon, c'est pas dingue, mais vu que j'ai pas beaucoup de tier 8, ça peut être utile. Et puis Phora, c'est je tire dans la même direction et je gagne du tier 8 progressivement, c'est ça. Tac 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 tac. Mais qu'est-ce qui se passe si tu prends le PHD alors que t'as le worst PHD? T'as des bonnes pilules qui te donnent des dégâts? Oh, ça serait incroyable! Bon, Mzarki, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça, c'est le marché noir. Je suis en train de me nerfer. Hein. Shot speed down. Ça n'a rien changé. Shot speed down. Je viens de dépenser 15 balles pour que dalle. Ça va. Ok. Faire chier un peu. J'ai revu en roche. Moi, tout ce qui m'intéresse là, c'est la super secrète. Ah, à mon avis, ouais, ça peut être tout en bas à droite, mais moi, je pense plutôt, connaissant les facéties, qu'elle est là. Moi, je l'ai placé trop bas. Si elle est là, je suis vraiment le Kekos of the year. Ça va faire beaucoup de bombes, là. Hein. Ah, sûrement, ouais. De toute façon, il reste plus beaucoup de choix, hein. Sûrement, oui, c'est là. Ah, ça m'a quand même donné plus 0,08, ce qui est anecdotique, mais bad gas. Ça m'a quand même donné un buff, sachez-le. Putain, mais le PHD, quelle arnaque. Du coup, ça ne sert à rien, sauf avoir une pilule et le soin qui va avec, quoi. C'est pas la pièce? Ah, c'est la pièce. Ah oui, donc le bad gas m'a donné, oui, my bad. Merci à tous. Ok. Bon, on envoie quand même du lourd, hein. Là n'est pas le problème. Oh oui. Oui, 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 oui. C'est un 2 spacebar item alors que j'ai ma merde à gérer là, vous êtes sérieux? Mais allez! Joue Godroom, c'est trop tard, c'est impossible. Au brimstone, ouais, un brimstone toutes les trois pièces, c'est ça.
Le devil te bouffe ma boîte. Oui, mais je m'en fous. Enfin, c'est la boîte, je suis presque ok pour l'abandonner, quoi. Mais moi, j'ai gardé cette boîte de mort. On va mourir avec. Hein. Spoilers. Ah, eux, ils pourraient m'enlever de la charge de ma boîte. Ah, je serais très heureux, ça. J'ai hâte que ça arrive. Ok. Putain, toutes les options défensives que j'avais plutôt. Ah merci. Pff, on avance. Oh là là. Oh là là. Oh, ouf, on a avancé plus avec cette salle que les deux étages d'avant là. A challenge room. C'est du dégât ça. Et du range non? Tier size range up. Ah juste du tier size mais en vrai pourquoi pas. Oh les dégâts que j'ai c'est quand même un... C'est du plaisir hein. Oh là là, ça c'est pas du plaisir. Oh là là. Je ne prends aucun plaisir là présentement. Tu fais quoi? Tu roules? Roule ma poule? Ok. Là il y a The Fool. C'est le crâne marqué si on veut jouer The Beast. Je vous avoue que... C'est pas encore d'actualité. Même si je suis sûr que Tainted The Lost doit être passionnant. Justement là il m'aurait fallu le run de tout à l'heure. Avec la mouche qui protège, le sablier. Je crois que là j'ai un bon DPS. Hein. J'ai, défensivement j'ai rien. Absolument rien. Sérieusement quoi. Ok. Curse of the Tower là il me saoule avec ça. 13 de luck. Ah, j'ai bien trouvé des piles lockdown. Hein. J'ai de la place. Hein. J'ai du buffer là. Triple shot. Je vais avoir 0 de tier rate mais... Y aller hein. Faut juste que je laisse appuyer tout le temps dans la même direction et au bout de 55 secondes je tire vite. Oh là là, fouf, fouf. Merde, je voulais aller gambler. J'ai de l'argent en trop. Eh oui. On va chercher jusqu'au bout. Ah oui, mais la luck n'influe pas du tout ce gambling là. Ok, pretty fly. Let's go. Oh, la machine là, elle a l'air chaude.
Ah ouais, je prends moins 60 de range pour plus 0,10 de dégâts. Ça devient un peu anecdotique maintenant. Vas-y, on oublie. Oh non, pas la mouche qui pète. Plus 0,10 sur 3 larmes avec le dégât des dents, oui certes. C'est mon shotgun, je joue shotgun quoi. Oh 12, ok. Si t'as imaginé si elles étaient transperçantes. Le meilleur devil deal que je peux avoir est probablement Death Touch. Ça, ça serait fort. Go the Beast, non. Jamais the Beast. Build est fort, mais moi je me vois pas enchaîner les 4 cavaliers de l'apocalypse et The Beast avec ça. Hein. The Fool est une assurance vie, ouais c'est juste, c'est très juste. Donc on va aller le prendre, il était vers le haut droite. J'ai juste, j'ai quelques bombes, on peut peut-être trouver un Hierophant, on peut peut-être trouver un Dry Baby. Ok. Bah, je prends pas The Fool. Non, je le prends pas, non. Ok. Allons-y. Ah mais j'ai même pas checké les secrets, désolé hein, on va farmer comme des gros dégueulasses, c'est un peu le... c'est la thématique hein, du perso. On a 100% de chance de mourir donc... On essaie de tendre vers les 99 quoi. Ah oui en plus faut que j'augmente mes chances quand même. Ouais, c'est pas dingue. Dommage qu'il ne soit pas bleu. Donc j'ai un Dark Bomb de mort. Ok. Oh vas-y. Mais non. J'espérais tellement que ça soit des cœurs bleus. Faut tendre l'oreille, faut pas que je me fasse écraser. Il y avait un spacebar item, bah non le shop était mort. Bon, on y va. Pour l'instant on a rien débloqué hein. On a rien battu, c'est ça la grande cruauté du truc. Ah
Enfin, le prisme, il est incroyable hein, avec le triple shot. Faudrait même timer mon entrée par rapport à mon prisme. Genre, bonjour! Voilà. C'était exactement la même salle. Oh là là, voilà, alors typiquement ça, salle de mort. Je suis touché. Maintenant j'ai une décision à prendre. Est-ce que c'est maintenant que je m'en vais? J'ai paniqué. Oui, il y a des salles qui vont être terribles, c'est genre... Bah les yeux laser de mort, enfin ce genre de truc quoi, bref. Moi j'ai plus besoin de cœur bleu maintenant. J'ai 15 speed donc The Rock. Small Rock je pense que je le prends pas, surtout avec 12 de dégâts. Infested. Double infested. J'aurais voulu que ça soit un gros nerf horrible. Ça serait fait plaisir au niveau des dégâts. Un shot speed ou une connerie. Ce n'est pas grave. T'es un malade, Bernard. Oh, le crayon, c'est pas mal. C'était peut-être pas le moment. Ok. Et donc, le crayon, tous les 10 tirs... Oh oui. Ah bah ça sert à quelque chose à avoir 13 de luck hein. Tous les 10 tirs j'envoie un méga tir qui tabasse. Ok. Ah, le combo crayon plus prisme, si on arrive à bien le rentrer ça doit être quelque chose. Ça doit être festival de saveurs. Ça sert à quoi les cœurs sur lui? Absolument rien. C'est dramatique. Oh mais oh, c'est voilà, comme d'habitude, hein, comme souvent, c'est les petits ennemis les plus dangereux. Bon, la salle de mort là qui a failli me mettre dans le mal, je pense que je vais passer utiliser une bombe en mode salut, au revoir. Je vais juste m'assurer que il n'y ait pas le boss sur le chemin des autres. Bon, je pense que hélas, on doit passer par là. Ah, mais il y a deux choix, du coup, c'est chiant. J'ai trollé. Mon prisme. Ok, nice. S'il y a un mendiant, je vais laisser les pièces là. Faut juste que je regarde s'il y a un luck coin. Mais... Non, bon, on va essayer de la tenter. On me place bien. Vers le haut, vers le bas, vers la droite. Ok. On va vers la droite, ça arrive, c'est une fois. Ok, vers le bas. Non. Ok, j'ai encore timé de manière catastrophique. Mais je reste frais. C'était les derniers. Alors, on a quoi? La merde. Merci à tous. Ah oui, c'est que j'ai Inton Seafying Tear... Oh mon dieu, deux secondes. Faudrait que je tire tout le temps dans la même direction. Mais le problème, c'est que le prisme... m'encourage plutôt à viser dans le prisme, quoi. Aïe. Merci mon bébé sec. Ok, vers le haut. Heureusement. Ok. Je pense
pense qu'il va falloir tester le même genre d'embrouille contre Mom's Heart. Hein. Curse of the Blind, au secours. Oh, ah non. Mais oui, vu qu'elles sont spectrales, hein, c'est vraiment the place to be. Ah, si je trouve de l'argent, on va gambler. Hein. Ne serait-ce que pour avoir une carte, genre... bah oui, une carte de TP, quoi. J'ai pas d'objet, ça c'est dramatique. C'est ouvert. C'est dangereux. Shot speed down. On ski. Et là, c'est un Curse of the Tower alors que c'est une challenge room. C'est tentant, hein, mais Curse of the Blind quand même. Et là, il pique, l'angoisse absolue. Ça serait une grosse connerie, je pense. Bill, il est déjà super fort. L'autre but, c'est d'essayer d'arriver par miracle au chest. Putain, Isaac, je peux être bon dans les esquives, mais des fois, je troll. Et de toute façon, je suis même pas sûr de battre It Leaves, là, donc on va se calmer. Ah, en fait, d'accord, ça a dû rajouter des pilules dans le truc. Et du coup, il y a les bonnes des mauvaises, quoi. Sont contrebalancés un peu. Vas-y, hein. C'est du 50-50. Ah ouais, c'est marrant. Ok. Range up, ça y est, hein, vers l'infini et l'au-delà. Non, certainement pas, non. Forcément, il y a des chests à chaque salle avec les tresses de luck. Ça veut dire que le chest, il va être extraordinaire. Hein. Si vous arrivez au chest avec The Lost, c'est forcément un moment de saveur. C'est un cauchemar, mais au moins vous gagnez un truc. Ah, très très bon truc, mais bon, on garde. Alors, on y est là. C'était pas aussi efficace que j'aurais voulu. Je te fais pas toucher, je t'en conjure. Ok, on n'a pas double yeux parce qu'on lui a mis assez de DPS. Ok, je mets les intensifying, c'est bon. Delirium. Peut-être pas tout de suite. Je me prépare pour un Krampus. Moi j'ai envie de canner. Et mon Death Touch alors? Pire que Krampus, tout à fait. Avec Krampus, on aurait eu ou bien Krampus Head qu'on aurait pris, ou Lump of Coal qui aurait été excellent vu qu'on a de la range. Là, on a littéralement eu une saucisse Erta dans l'Ionf. Merci. Ok. Très bien. Oh là là, mais il est d'une puissance par contre ce Lost. Et le prisme, hein, quel plaisir. Et le crayon, hein, je sais pas quand il part, mais à mon avis, quand il part... Il est peut-être parti contre Daddy's Long Legs. C'est pas impossible. Ce one-shot était d'une violence. Oh là là, oui. Faut juste bien rentrer avec le prisme prêt à envoyer du lourd. Oh, ça peut être dramatique. Oh. Ouais, ça aurait pu être dramatique, quand même.
D'accord. Ok. Dommage, pas d'objet au final. Fasse gaffe à mes clés. Bah... Non, j'ai pas. Oh, j'ai pas prévu. J'ai pas pré-shot comme il faut. Ok. Fasse gaffe à mes clés. Est-ce que oui, arriver au. Au chest. Ah, on connaît ça. Oh, mais putain, je dis qu'il faut que je fasse gaffe à mes clés, il me file cette merde. Est-ce que je gamble? Oh. On va voir. En fait, ce coffre-là, on l'a déjà testé. Faut mettre plein de clés. Au bout d'un moment, il s'ouvre et il y a deux objets. Ensuite, il y a des coffres comme ça qui s'ouvriront, qui ont pas besoin de clés. Hein. Je pense qu'on va le jouer quand même, ce coffre. Oh là là. Ouf, quel plaisir, par contre. Une fois que le build est en ligne, on voyage. Hein. Vas-y, je vais y aller. Plein de clés, genre 30. Non, je sais pas, la dernière fois, ça avait été cool. Hein. On l'a vu au premier étage et ça avait pris 3-4 clés. Mais avec 13 de luck. Ouais, mais ça joue pas, je pense. Bon, vas-y, je l'ouvre. J-peps. Je veux savoir. 1, 2, 3. J'ai envie de canner. 4. Ça y est, je le vis mal. Je commence à mal le vivre. Mais c'est quoi ces merdes? Je joue jamais la Pokéball, je sais pas si c'est bien. Ah oui, du coup ça fait triple. Bon, ça peut être utile pour... Pourquoi? Pour ouvrir des portes, pour casser des trucs, mais je m'en fous, j'ai 22 bombes, j'ai pas. Ça sera peut-être utile. Peut-être. Le prisme. Hop là, oh ça rebondit, oula. Ils sont blindés mais c'est pas grave, hein. On va forcer, comme des gros nuls. Ok. Maintenant. J'ai envie hein, c'est terrible hein. Je pense qu'il faut pas hein. Oui, mais en plus, pendant que ça se fait, je peux pas tirer, donc c'est vraiment zéro, quoi. Vas-y, je la casse entre mes fesses. Ok. Oh non. Ouais. Calmez. Ouais. Molo. Ok. Nous y sommes donc. Papa. Avec autant de luck. Ah ouais, mais le problème c'est que lui il est un peu nulos. Là où le... Ouais non, il va me donner des pièces et peut-être des bombes spéciales. C'est le mendiant des clés qui est super fort parce qu'il donne des coffres et qu'on a autant de luck, c'est génial. Mais lui, il va me servir à dalque, je pense. Compte ton crayon. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Merci. Ah non, on peut annuler. On peut annuler ce qu'on vient de faire. Parce qu'on vient de débloquer un des pires objets du jeu. Non, c'est pas grave. Ok.
Bien sûr. Ok. Encore un et je suis conjoined. Et là, c'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah non, il est parti avant là. Bon, j'en ai plein le huc. Officiel. Oui, on va faire le Blue Baby, on tentera. Hein. On est là pour rigoler. Merde. Pas grave. Presse de luck, putain, je suis choqué qu'il n'y ait pas des coffres à chaque salle. Hein. Dommage pour le mapping qui n'est pas présent. Oh là là, oh le sale bail. C'est bon, c'est géré à droite, c'est géré à droite. C'est géré, c'est géré. Okay. Ça sert à rien. Ok, Blue Baby. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. J'ai pas eu l'unlock, je vais avoir l'unlock quand je vais mourir. Chelou, non? Ouais, ouais, ok. Merci, merci. C'était très dur. Ces données-là. Ça sert à rien. C'est une excellente nouvelle avec tous les persos sauf lui. Ok. See the Lost. Et finalement, hein. Incroyable mais vrai, mais... Cette boîte de merde qu'on... Cette boîte de merde qu'on aura gardé tout du long, qui nous a filé le prisme, le carry item de ce run. Hein. Ah, je tire quand même beaucoup moins à méditer, est-ce que c'était mieux ? Probablement.
D'épée, l'épée en folie. Oh, oh range down, oui, mais... Oh, oh là 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 là, oui, oui, le combo, le combo. Gros, gros tears up. On perd énormément de range, mais j'en ai gagné énormément grâce à mes pilules. Donc tout va bien. Voilà, méga Satan, est-ce qu'on pourrait? Alors peut-être. C'est un build Delirium. Ah si, on nous propose. Ah mais Delirium, je connais trop mal. Delirium, il va me casser le cul et basta. C'est pas aussi fort que le build qu'on a eu avec Tainted Lilith, je pense. Hein. Sauf quand on rentre peut-être les crayons. Oh, sale bail. Oh là là, accueilli à l'entrée là. C'est visité ça, il reste plus rien là. J'arrive plus à savoir. Pas du tout. Là il y a une décision très importante. Merci Quev pour le host, merci beaucoup. En fait ça, ou bien c'est de la merde, ou bien on one shot les deux phases. Mais vu qu'on a number one, mieux vaut spammer. Je pense que ouais, ouais. Si on avait gardé un tirate dégueulasse, ça aurait été mieux. Mais vu que notre tirate est excellent maintenant, probablement rester sur ce qu'on a. Enfin oui, dans la phase 2 d'ailleurs. J'ai intensifying tears, oui. C'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais on reste là-dessus, c'est très bien. On pourrait se faire chier à chercher la secrète, mais ça va plus être un cauchemar qu'autre chose, je pense. Il fait quoi cet objet? Monstrous Lung, en fait, ça permet de charger son tir. On charge ses poumons et on envoie une grosse gerbée de larmes. Donc, si j'envoie une énorme gerbée de larmes dans le prisme, etc., c'est facile de deviner comment ça snowball, mais... Et je pense que notre build est meilleur sans ça. Je sais pas si je dois la... Experimental pill. Parce que des fois elles sont positives en mode juste ça vous donne un up. Et des fois c'est fait un up et un down. J'ai PhD mais j'ai aussi le worst PhD. Où sont les points de vie? J'en ai pas. 1, 2... Alors attends, il est où? Faut le repérer, le crayon. C'était ça le crayon, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
Oh, je les avais pas vus. Oh, j'ai failli me faire toucher par les petits cons. Non! Oh, j'ai pris une touche. Non, l'idiot. Ok, on laisse les Intent Flying Tears. Oh, le con. Oh, j'ai pris une touche. Oh non, 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 pas comme ça. Il met quel pattern? Let's go Delirium. Ah, The Body, ça c'est bien. Ah non, The Body c'est le pire. C'est The Mind qui est fou et The Soul est ok. Bon. Alright. Merci beaucoup Quev encore pour le host. Des bisous. Merci Deltos, Xufra, Cartier pour les resubs. Arcno pour le prime. Alors. Incroyable ce build, hein. On voyage. Quand même une petite frayeur. Hein. Un problème, c'est que j'ai peur de tenter des boss parce que s'il y a l'autre con... Mais est-ce que je peux sortir de sa salle avec Datsuki? Alors, rien n'est moins sûr. Hein. Ok, c'est de la DA. C'est défensif, c'est pas mal. On a plus besoin de défensif qu'autre chose maintenant. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Gauche. J'avais déjà eu ça, je crois que c'était le rip-hop avec plein de cœurs ou non, je sais plus ce que c'était. Je ne sais plus. Oh nice ça. Ah c'est vrai que j'ai qu'une Pretty Fly, j'ai qu'un orbital, j'aurais dû gambler plus. On aura peut-être l'occasion de le faire. File pas un HP up quoi, file un truc. Boussole, qu'est-ce qu'il peut me filer en vrai? Je suis pas sûr qu'il va me filer quoi que ce soit qui m'excite, mais on va voir, on va tenter. Bon, si tu pouvais éviter de me prendre mes 90 balles, je sais qu'il y a de l'argent ailleurs, mais... Bon. Prévisible, si jamais on trouve un truc pour reroll, hein. Ah là, il y a une prédit. C'est quoi la prédit? Bat Delirium? Ou la run de 2 heures. Vous pouvez filer une bonne carte, c'est vrai. C'est vrai qu'avoir une carte... de dégâts hein, ou autre. Putain, j'ai pas débloqué Algiz. J'ai débloqué Chaos Card, ne l'oubliez pas. Ça serait beau. Faut pas se louper. Ah mais souvenez-vous, Chaos Card dans le prisme, quadruple la Chaos Card. Comme ça on a le droit de viser un peu moins bien. Ok. Il est immune. Oh merde. Ça c'est pas réglo ça.
Ne serait-ce qu'une carte de TP serait bien, ouais. Maintenant que j'y pense. Si on sent que c'est la foire à saucisse, on s'enfuit. Alors voilà, qu'est-ce qui nous indique que... Les deux, ça peut être là, on est d'accord. Ah, à gauche. Et pourquoi il pourrait pas être à gauche? C'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Si on part du principe que j'entre et que la salle elle s'ouvre comme ça, il peut y avoir une salle de 4 ou de... Oui, il peut être à 2. Ah, c'est la max limite de la map qui compte. Mais c'est quoi la max? C'est 13 sur 13? Qu'un des deux, les salles sont trop proches. Quoi? Putain, mais personne n'est d'accord. J'ai regardé un wiki, un de ces quatre. Hein. Ok, c'est un HP up, mais ça file une carte, ça. Ou un trinket? Ouais, dommage. C'est un trinket. J'avais oublié. Delirium, ça va être chaud hein, quand même. Pas vous le cacher, je le sens moyen. Hein. Je le connais tellement mal, en plus c'est la panique, c'est vraiment le Delbord tout le temps. Et s'il scale sur mes dégâts, bon ben... Les bombes, les crânes. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai qu'on a tout bombé, la champi crâne. 35 bombes. Bah faisons ça. Ah mais je l'ai eu récemment cette merde. Crack dice, you feel cursed, kind. Mais tous les crânes. C'était quelque part. D'accord. C'est ailleurs. Ouais, Delirium, c'est vraiment pas drôle, c'est archi pas lisible, c'est tout ce qu'on aime quoi. Il triche, sachez-le. Il triche, Delirium il triche. Alors, oh, un Joker, oh là là, j'ai tellement. Voilà pourquoi c'est chiant de débloquer des cartes nulles comme ça. Ace of Hearts, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Choupe d'Aoup, on l'aime bien au village. Surtout si on joue Bethany, là on l'aime beaucoup. Donc là il... J'en sais rien. Hein ? À gauche il peut pas être là non ? Est-ce que c'est considéré comme une salle... De 4 ou de 8 ? Non c'est considéré comme une salle de... Combien de cases? 9? C'est ça? Ah c'est juste une 2x2? Alors comment on peut savoir que c'est safe? C'est un 3x3 alors. Mais même là, si c'est un 3x3, ça peut être un 3x3. J'essaie de comprendre. Je veux pas qu'on s'embrouille, j'essaie de comprendre. 2x2, mais qui touche nulle part, de ce que j'ai compris, à part l'entrée. Ah, d'accord. Oula. Ah, faut sortir, là. Merci. J'ai un couteau au cul. J'ai mon plus beau slip. Un Book of Shadows, faudra que je trouve. Ouf, ça changera pas grand chose.
Donc là, ouais, d'accord, ok. Vu que, oui, ça toucherait autre chose. Ok. Heur. Merci à toutes et tous. La leaf. Oh, mon rêve. Quoique j'ai rien pour mettre du dégât. J'ai rien qui attaque passivement. Ah, et le couteau, mais faudrait qu'il me rush. Enfin, si on a Daddy's Long Legs, on part sur une VOD de 3 heures où on gagne. Je suis d'accord, mais... Le plus grand plaisir de YouTube. Ah oui, j'ai Dry Baby, c'est vrai, qui fait effet de mort. Effet de Seymour. Là, c'est safe, hein. Ah, de la speed, c'est pas... C'est pas mal. Commencez à être critique, là. Hein, quoi? Hein? Mais... Comment ça? Ah oui, il y avait cette possibilité. Eh ben, au secours. Et j'ai pas de truc pour me TP. Est-ce que Datsuki marche? Je me suis fait toucher. Je reviens. Je reviens, j'ai rencard. Ok. Voilà, j'ai envie de dire, il y a deux approches. Ou on essaye d'aller farmer des autres boss, ou... Non, bah non. À chaque fois qu'on a Datsuki dispo, on y retourne, quoi. Oui, les crânes. Ah, je sais pas. Oui, les crânes. Farm les boss. Non, mais j'ai rien contre le fait de farmer les boss. Mais en réalité, il faut que je retry à l'infini. Le plus de try j'ai, le mieux. C'est ça le meilleur play, je pense. Ils sont où les crânes, là? Parle de crâne, mais j'en vois nulle part. Bon. Enfin oui, on peut faire ces boss-là, en effet. Waouh. Mais ils sont où les crânes? Moi j'entends bien. J'entends bien qu'il y avait des crânes quelque part, mais là... Je veux bien l'entendre ce discours. Ah voilà. Superbe. Allez, des cartes folles là. Rien du tout. Il faut pas que j'ouvre de nouvelles salles. Hein. Ça c'est prohibé, c'est interdit. 40 chambres. Petit Magic Mush là. Des pilules. Ça fait cher. Ça fait cher en bombe quand même. Hein. Cette opération plan cul. Hein. C'était nul ça. Regardez. Incroyable. Ah oui, des crânes, là. Vas-y, on presse, c'est du dégât. Je pense qu'il faut que je garde. Hein, pour le dernier try. Je sais pas, ça me stresse.
Ah mais le crayon, hein, ça a rien changé. Hein. Là il faut qu'on ait à... Faut que je sois attentif au son. Dès que je me fais toucher, c'est la panique. Tout le monde quitte le navire. Je me suis pas fait toucher là. Faut que j'essaye d'exploiter un maximum le prisme. Est-ce que ça rebondit ? Ouais, pas assez. Puis se fait toucher. Ok, peut-être qu'avec The Empress ça peut passer, hein. Let's try. Ah, merci, Link. Quel plaisir. Putain, mais. Est-ce que j'aurais autant le seum qu'avec Jacob et Ezo? Est-ce que. Est-ce qu'il ne tombera pas à 0,5% de ses HP et en plus j'oublierai d'utiliser ma TP et je crèverai comme un caca? Peut-être. Il y a des batteries? C'est pas grave, il y a des salles aussi. Vite un peu. Ah mais attendez, j'ai un boss. Validons un boss, prenons un objet quand même. On n'est pas des animaux. Il est le boss là-bas. Il y a sûrement un ou deux autres de planqués, mais... Là, on est dans l'optimisation de la Datsuki. La Datsuki, c'est chaud, hein. Ça m'oblige presque à rester près de l'entrée, parce que... Si ça se passe mal, c'est la fin. Monsieur Fred! Bravo. L'ami des poops. Le problème, c'est que j'ai tué autre chose. C'est fort, hein, l'ami des poops. Oh, il faudrait trouver des caca rouges. Vous vous souvenez quand on est rentré dans une salle de boss avec plein de caca rouges? Ils vivent très peu de temps, mais ils sont très agressifs. Très corrosifs. Plutôt 1h20 de run. Oh, c'est rien du tout, hein. Ah, les caca rouges. Il faudrait que ça soit très proche de la salle du de boss. Genre une super secrète ou une connerie du genre. J'ai déjà testé ça, je crois. J'ai envie d'y croire. Non, ça peut pas être là. Non, c'est chiant. Je sais pas si je claque ma zie en presse, quoi. Ça me stresse. Et des crânes, il y en a juste à l'entrée. Une échelle de corde. Allez. C'est claqué. Je vais me faire toucher première frame. Je vais pas être dégoûté. Enfin, je vois que dalle, mais faut que je me concentre sur mon perso. Mais je vois dalle que. Oh là. Oh 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 oh. Je me suis pas fait toucher, hein. Non, non, je crois pas. Oh, j'aime pas trop être à gauche. J'aime pas trop être à gauche de la salle. Je dois bien vous l'avouer. Tiens, on va faire un grand tour. Au secours. Nickel, nickel. Il faudrait que je revienne quand même un jour. Okay, c'est bien. Vers le haut. Vers le haut, vers le haut, pas mal. Vers le bas, le prisme. À droite, à droite, à droite. Faut bouger, faut bouger. Faut jamais être trop statique. Ok, l'ange, rien à foutre. Elle est où? Il est là, le prisme. Hop, hop, on exploite. En haut, en haut, en haut. À gauche, il y a son père. En bas, peut-être. Oui, à droite, ça revient. Au secours. En haut, lui, là. Lui, voilà, c'est bon, c'est réglé. Et cavalier, vas-y. One shot, one shot, one shot. L'ange, l'ange, pas par l'ange, par pitié. Ok, il y a du daddy's long legs, là. Ça pue le troll. Oh, je l'ai évité. Ok. Ok, au secours. J'ai jamais claqué ma zi en presse. Enfin, je suis un génie, hein. Ce niveau-là, c'est du génie. Ok, je viens de perdre mon truc. 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 J'ai eu peur. Si j'avais claqué ma zi en presse, j'avais gagné. Mmh.
Quoique non, parce que la phase des rayons là, ça l'histoire quoi. Hein. T'as peur de gagner? Ouais bah ouais. Regardez, retournez quelques jours en arrière et regardez Jacob et Ezo. Ouais. Vous me direz hein, vous me direz ce que vous en avez pensé. Okay. Hop. Alors. Très bien. Exlax. Si je gagne pas avec, Exlax, c'est incompréhensible. Putain, mais j'ai spammé la date ski et j'ai fait R1 direct derrière et en fait il a jamais claqué. J'aurais dû me douter, c'était bizarre qu'il n'y avait pas de message. Il a jamais claqué sa The Empress. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y arriver sans. S'il pouvait éviter par contre de me faire... de couvrir l'intégralité de la surface de la salle avec des halos de merde. Tu en serais gré. Le crayon, ouais, non mais le crayon... Je veux bien le crayon, ouais. Je vois que dalle, je vois dalle queue, je reste frais. Je vois dalle queue, à gauche, en bas. Je suis pas touché, non, pas encore. Oh oui, oh ça c'était du beau DPS. C'était une belle histoire. Faudrait que je revienne à droite parce que quand je vais me faire toucher, je vais avoir envie de me chier dessus. Et c'est imminent. Oh là là, le laser! Il est où? Il est où le vilain? Oh, j'ai vu le petit laser. C'est bon, il est parti. Je me suis pas fait toucher. Non, c'est bon. Je reste frais. Oui, je vole. Calme-toi, tu voles. Oh, lui, Isaac. Non, non, il va me faire des conneries. Il est mort. Il est là, toujours là. Toujours debout. Ok. Le Larry, c'est Osef. Toujours pas touché. Ça, c'est anecdotique. Faut juste le tuer. Attention! Ok. Ok, à gauche, faut qu'on envoie la max maintenant. Il est en bas, ça tombe bien. Non, il bouge trop, ça y est, il bouge trop, c'est chiant. Ça y est, c'est chiant. Ok, on manœuvre. Oh, pas touché. Maintenant, on voit la max dans le prisme. C'est pas mal, il commence à faire le fou, on s'en fout. À droite. C'est la touche, c'est la mort. Et voilà. Bon. Ça reste quand même un beau run. Quand même. Même si le build avait l'air absolument craqué, et il l'était, il faut, je sais pas ce qu'il faut. Quoique là, quand même, Datsuki pour sortir, c'était bien, mais il y aura moyen avec le... Il y aura d'autres moyens d'arnaquer le game. Il peut devenir très très fort grâce à son Devil Deal gratos, grâce au 10 de luck, etc. C'est un perso intéressant.